19 ans, 2002, la victoire de la première étape. Franck, dites-nous comment ça va déjà, pour commencer. Ouais, ça va plutôt bien. Ouais, je sors des championnats d'Europe. Où on a fait, je pense, une belle course et les jambes étaient toujours bonnes. Donc voilà, j'espère que ça continuera sur ce temps au Luxembourg. Ouais, vous étiez notamment à l'attaque, vous avez eu le temps de récupérer un peu. Comment ? Vous étiez notamment à l'attaque au début du championnat d'Europe, vous avez eu le temps de récupérer un peu. Oui, voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de temps entre championnat et aujourd'hui, mais je pense que j'ai plutôt bien récupéré. Je vais voir aujourd'hui sur l'étape. Je vais essayer de passer le début d'étape dans le peloton et voir comment ça répond. Et puis j'essaierai de faire un beau final. Sur ce final, justement, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui va se passer? Dans une course, il n'y a pas tant de sprinteurs que ça, ou Brian n'était pas en super forme pour le moment? Ouais, ça va être, je pense, une course peut-être un peu spéciale entre. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sprinteurs avec Alevouane, mais on ne sait pas s'ils vont contrôler pour lui. Et ouais, derrière, il y a pas mal de bons coureurs pour le classement général, mais est-ce qu'ils vont vouloir se dévoiler aujourd'hui? On ne sait pas trop, donc on va avoir une course débridée, je pense. Il y a quelque chose à jouer pour vous? Il y a quelque chose à jouer pour vous dans ce final, justement, où on s'attend à des attaques? Oui, je pense qu'il faudra être offensif dans le final, essayer de cibler plus fort, et je pense que c'est une arrivée qui peut me correspondre et qui peut correspondre aux caractéristiques des coureurs de l'équipe qui sont là, donc il y aura une belle étape.